Bonjour, on va expliquer aujourd'hui ce que je vous ai donné à préparer hier, l'activité écrite, les nuages. Bon, les nuages, alors on a parlé dans la leçon précédente, la vie des nuages. Ici les nuages, observez le texte scientifique suivant les nuages et le texte poétique étudier la vie des nuages. Ça, c'est un texte poétique. Ça, c'est un texte scientifique. Après, on explique ça. Puis, répondez aux questions. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau microscopiques qui se condensent dans l'air puis flottent à une altitude élevée au-dessus du sol. Lorsque le soleil réchauffe la terre et l'atmosphère, l'eau s'évapore dans l'air sous forme de vapeur d'eau. Un échauffement supplémentaire fait s'élever l'air à de grandes altitudes. En montant, il se refroidit et de la vapeur d'eau se condense, formant des nuages. Sous l'effet d'un plus fort refroidissement, les nuages grèvent et la pluie tombe. Parfois aussi de la grêle ou de la neige se forme. De cette façon, l'eau retourne à la terre, complétant ainsi un cycle appelé le cycle de l'eau. Il y a quatre principaux types de nuages. Les cirrus, les stratus, les cumulus et les nimbus. Les cirrus sont des nuages blancs semblables à des plumes dans le ciel. Ils se trouvent à une altitude de 10 à 15 km. Ils sont composés de cristaux de glace et annoncent fréquemment l'arrivée d'une tempête dans les deux jours qui suivent. Les cumulus sont des nuages semblables à des paquets de laine. Ils se trouvent à une altitude de 3 à 5 km. Ces nuages sont grands et duveteux. Ils indiquent le beau temps. Les nimbus sont des pénuages sans forme définie. Ils produisent habituellement de la pluie ou de la neige. Ils se trouvent à une altitude approximative de 2 km au-dessus du sol. Les stratus sont des nuages bas et plats. Ils se forment en couches. Ils indiquent habituellement un temps calme. Quand ces nuages deviennent plus épais et plus sombres, il peut se produire une averse pouvant durer un ou deux jours. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans ce texte? On constate que c'est un texte scientifique, Elmi, il parle de la science. Bien sûr, vous avez pris ça dans la science. Akid merdinoum bis-science haw del ma'loumat. Comment se forme la pluie? Kif bisir fi 'anna chita? Les nuages, طبعاً بفعل النياج كله بفعل الغيوم, sont constitués de gouttelettes d'eau microscopiques qui se condensent dans l'air. فإذا هن عبارة عن قطرات من الماء بتتكثف بالهواء. Puis flotte à une altitude élevée au-dessus du sol. أكيد بيطلعوا كتير بالعالي بالسماء. Faut l'art. Lorsque le soleil réchauffe la terre et l'atmosphère, bien sûr en été, le soleil réchauffe la terre, l'eau s'évapore dans l'air sous forme de vapeur d'eau. ماي اللي على الأرض, ماي البحر والمحيطات, شو بصير فيها؟ تتبخر. Un échauffement supplémentaire fait s'élever l'air à de grandes altitudes. هيدا الاشوفمون بيرفع الهواء على علو كتير عالي. En montant, il se refroidit et de la vapeur d'eau se condense formant des nuages. هنو عم يطلعوا هيدا البخار اللي طلع بتحول لبخار كيف بس يبرد بتحول لغيوم. هيدا المي اللي تبخر بس يبرد هو عم يطلع لفوق بصير في حرارة كتير واطية مش مثل حرارة الأرض بتتكون الغيوم. Formant des nuages. Sous l'effet d'un plus fort refroidissement, les nuages crèvent et la pluie tombe. بس يصير في كتير ساقعة فإذا la pluie tombe.
Parfois aussi de la grêle ou de la neige se forme. مرات بتشتي ثلج مثل ما بنعرف أو برد. De cette façon, l'eau retourne à la terre complétant ainsi un cycle appelé le cycle de l'eau. بهالطريقة بصير في عنا السيكل دو لو، أكيد سامعين وماخدين عنا بالسيانس السيكل دو لو، هي دورة المياه. كيف دورة المياه؟ المي بتتبخر بتطلع لفوق بصير في نياج، بس تتعرض لهواء مسقع هيدي النياج بترجع بتتساقط الأمطار، يعني المي اللي تبخرت رجعت على الأرض، هيدي اسمها السيكل دو لو. إليا كاتر برينسيبو تيب دو نياج. في عنا أربع أنواع من الغيوم السيروس، ستراتوس، كومولوس، والنيمبوس وهن مرسومين عنا هون سيروس، ستراتوس، كومولونيمبوس، وكومولوس السيروس sont des nuages blancs semblables à des plumes dans le ciel سيروس هن مثل الريش هن نياج بيضاء غيوم بيضاء مثل الريش Il se trouve à une altitude de 10 à 15 km. Faisan aloun adde entre 10 et 15 km. Ils sont composés de cristaux de glace et annoncent fréquemment l'arrivée d'une tempête dans les deux jours qui suivent. Holi bidillu ala inno jay asf khilal yawmin li jayin. Les cumulus sont des nuages semblables à des paquets de laine. Regardez, comme le laine, mitl souf. Il se trouve à une altitude de 3 à 5 km. Hol, autant mené le cirrus bijou. 3 à 5 km. Ces nuages sont grands et duveteux. Ils indiquent le beau temps. Hol, bidullo ala taqsal halou. Les nimbus sont des nuages sans forme définie. Kounu épais, smek. Ils produisent habituellement de la pluie ou de la neige. Kamem bidullo ala shita. Aou talj. Il se trouve à une altitude approximative de 2 km au-dessus du sol. Approximativement, l'eau est beaucoup 2 km du sol, de la terre. Les stratus indiquent le beau temps. Ce sont des nuages bas et plats. Ils se forment en couches. Ils indiquent habituellement un temps calme. Quand ces nuages deviennent plus épais et plus sombres, ils se produisent Une averse pouvant durer un ou deux jours. Lama bibal shu yisma kuho de stratus, n'tariyum, bidillu ala inno jaye shita awe khilal bimumkin yidal min nhar la nharin. C'est clair? Bon. Question. D'où est tiré chacun des deux textes? D'où est tiré chacun des deux textes? طبعاً إحنا ماخدينو هيدا السؤال. D'où est tiré? يعني منين منشيل هيدا النص؟ فإذن أول نص عم يحكي عن les deux textes. يعني منرجع ل la vie des nuages. D'où est tiré? La vie des nuages est tirée de Au texte littéraire, l'écrivain Clésio, tiré du livre le Kteb Esmo, l'inconnu sur la terre, visage, nuage, édition Gallimard. Ce texte, d'où est tiré? Tiré du livre de science, troisième année moyenne, CRDP. Haïda date de parution. Ma sa'ilni ana. Sa'ilni mnen shaylin haïda nas. Ismu l'ktab. Livre de science. Troisième année. Moyenne. CRDP. D'accord? Bon. Dans quel texte rencontre-t-on le plus de chiffres de mots scientifiques? Dans quel texte, بأي نص من هود النصين منشوف أكتر شيء أرقام وكلمات scientifique. أكيد واضح أي نص. هيدا النص. Les nuages. لأنه les nuages c'est un texte scientifique. La vie des nuages est un texte poétique. ما في لا أرقام ولا كلمات
scientifique, يعني علمي. شو هن الكلمات؟ في عندي سيروس، ستراتوس، نيمبوس، كومولوس، في عندي 2 كيلومتر، 3 à 5 كيلومتر، 10 à 15 كيلومتر. On a encore des mots scientifiques, comme ces vapeurs, le vapeur d'eau, échauffement, encore ce qu'on danse, les calimètres, mais on trouve un texte scientifique. Lequel vise à informer, lequel à distraire ou à émouvoir? واضح, أي نص منهم اللي في معلومات informé. في معلومات اي نص هو للتسليه ولل littéraire émouvoir للعواطف bien sûr les nuages c'est un texte à informer la vie des nuages c'est un texte à distraire c'est clair celui qui a une question il peut me demander